Sa mère la pute. Un jour sans fin. Je trouve qu'il est futé ce film, il est malin, il est intelligent. C'est toute une métaphore sur l'éducation, sur comment devenir meilleur. Je trouve ça formidable. J'en fais pas, je déteste les acteurs qui se la racontent, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Je demande une machine à café, ouais, c'est ce que je veux dire. À Paris, non, c'est dans le train que je mange des grosses merdes. Je peux faire un petit ragoût, par exemple. Je peux faire un truc de genre un veau aux artichauts et aux fèves. Je prends une tête d'imbécile, quoi, en fait. Je me laisse... Je me mets moi-même dans la mollesse de quelqu'un qui veut dormir. Et souvent, je me réveille en me disant « Putain, ça a marché apparemment. » Voilà. Sa mère la pute. Sa mère la pute au bois de Boulogne dans une camionnette. Je rajoute des trucs au fur et à mesure. Je trouve que c'est mieux maintenant. Les gens qui se disent « C'était mieux avant », c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire « C'était mieux quand j'étais jeune ». Mais on a envie de leur dire « Mon vieux, il faut t'y faire, ne viens pas nous emmerder avec ça, quoi. »